Youpi! Alors, qu'est-ce que ça donne comme talent, le Dudros? Des trucs pour résister à l'eau, normalement. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Insectes, miel, chasse, objets à récupérer. Obtenir des matériaux à partir de grands monstres 4 fois. On va essayer de le prendre, mais je sais pas si ça va marcher. Alors, vous préférez affronter un Volvidon dans le volcan, un Kézu dans l'archipel de glace ou un Ludros dans la forêt inondée? Je serais bien tenté de dire soit le Volvidon, soit le Barotte. Ah, toi, tu veux un Barotte? Un Barotte? Un Barotte? Un Barotte? Oh, le Barotte, ça fait longtemps en plus. Vas-y, on va prendre un petit Barotte en fait. Pas mal. Ça fait longtemps. Ça depuis, fait longtemps. Depuis World, quoi. Ah oui. Ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps. Ah oui, moi à la base, je voulais voir si j'avais eu tous mes matériaux de Ratian. Lou a posé une quête. Oh. J'avoue que si je veux faire l'armure de Ratian. Ah oui, mais si je fais alors ça, je ne pourrais. Ah oui, non, de toute façon, j'ai pas de dragonite. Je pourrais me satisfaire de. Ah, elle est là. J'allais dire, je ne pourrais. Elle est là, l'arme d'eau. Oh, il est rigolo, ton machin. Ouais, elle a changé, elle était pas comme ça avant. Oui. Bah, est-ce qu'elle a mine. Est-ce que j'en ai une? De toute façon, je peux pas. Non, je pourrais faire la larme de Ratian. Ah oui, c'est bon. Pas d'éponge immature. Pas mature. Oh là là, t'es immature. L'hydrote, ouais, il est immature. Oh, il y a une arme Bnabra, trop bien. Moi, je pense que c'est parce qu'il passe son temps à traquer des hydrotes, c'est tout. Moi, je le sais. Ah, voilà, je peux faire mon arme Ratian. Allez, je vais même l'équiper maintenant. Maintenant, je vais empoisonner les monstres. Eh bien, si ça t'amuse, moi, je vais manger un dango musclé. Non, wow. C'est pas vrai, c'est nul. Mais non, mais franchement... Ouais, j'ai vu Dango Musclé, je me suis dit, oh, trop cool, c'est un truc qui augmente l'attaque, je suis sûr. Eh ben non. Franchement, elle est très très cool. Oh, elle est très jolie, elle est très jolie, très jolie, très jolie. Ça fait longtemps, il était dans World, Generation Ultimate, non, ça faisait longtemps. Il est tout le temps là, le Barotte, qu'est-ce qui se passe? Il est très bien, le Barotte. Puis moi, j'avais une arme de glace pour l'affronter, c'était très bien, je change pour un poison, hein. Rien. Moi, j'ai... Tu vois, le Barotte, c'est pas vraiment un monstre, je me dirais, ouais, il passe partout, le Barotte, tout, il est mémorable. Eh ben, si. Et pourtant, non, il est partout. Alors. Cette fois, on prend les 4 secondaires. Ah, je vais prendre mon chien aussi, là. Ouais, moi, je vais prendre mon chien aussi. Ça suffit. Mon chien qui a toujours pas d'équipement, hein. Donc... Bah alors, super. T'as pas voulu lui en faire un? Mais je peux pas mais lui en faire un. Tu peux bien en faire d'autres. Pas forcément le même que le tien. Mais je peux pas, j'ai pas de débris. Mais il faut les fabriquer, les débris. Non. Si. Écoute, voilà. C'est compliqué pour moi. Mais en vrai, y a pas beaucoup de trucs qui peuvent faire des débris, c'est un peu triste. Bah, ce sont les matériaux de monstres. Oui, faut aller les faire. Je trouve qu'il a un certain style, le Barotte. Son armure m'avait longtemps accompagné. Mais oui, en plus, ça fait une couronne et tout. Je sais pas ce qu'il donne, Barotte, effectivement, comme équipement. Moi, je sais juste que Jaggi et Ratian, c'était les trucs OP en début de jeu, parce que Jaggi donne de l'attaque, la Ratian, elle donne de la vie, donc c'est bien. C'était vrai, encore plus vrai dans World, là. Je sais pas comment ça se rend là dans Rise, parce que. En fait, ça rajoutait des points de vie sur nos points de vie dans les talents de la Ratian. Enfin, c'est le cercle de vie machin, quoi. Je sais pas si dans Rise c'est toujours le cas, puisque bah, on n'a pas encore de talent. On n'a pas encore de talent, et ça c'est triste. Ah non, c'est Dami qui court, je croyais que c'était Livol. Oui, il vole. Il vole, il a l'air d'être Désolé, je change un peu les équipements. Mais le Barotte donne défense plus attaque, donc c'est super, et aussi un meilleur bouclier quand on en a un, je crois. Un meilleur bouclier. Ah, un meilleur bouclier, oui.
Du coup, ça sert à rien si on n'a pas de bouclier. Oui, ça sert à rien quand on n'a pas de bouclier, mais... Mais ça, c'est un truc trop triste. C'est qu'il y a des, il y a des talents qui... En fait, vu que maintenant, les armures, c'est exactement la même pour les artilleurs et pour les... Et pour les... Et pour les archers, pour les épéistes, il y a certaines armures qui ont des talents qui ne servent à rien. Quand tu joues l'une des deux classes. Genre, tu vas avoir des trucs qui... Oh non, j'allais dire qui améliorent le tranchant, mais je crois que c'est un truc quand même dans... La plaine de sable, terre de poussière et de désolation. Terre dénuée de toute vie, le néant s'étend à l'infini. Un paysage de désolation n'ayant connu que la destruction. Terre du diablos. Oh, mais t'as dit le mot maudit, là. Mais on avait dit... Mais on avait dit pas de gros mots. Allez, bah désolé. Pika. T'as rappelé à tout le monde des mauvais moments là. Voilà, le, je vais faire des cauchemars là. Franchement. Encore pire si jamais tu l'as vraiment invoqué. Ah ouais, imagine là. Il apparaît en Laurent alors qu'il peut même pas y être, franchement. Ah mais elle arrête, tiens, par contre. Alors moi je vais je sais pas où, mais j'ai vu des pouvoirs, alors je suis parti les chercher, très mauvaise idée. Ouais, moi je suis envolé à l'autre bout du monde avec un philoptère. Moi je vais faire la même chose que toi, Livol. Allez, bien. Et wouhou. Allez, on court, 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 on court. Oh. Ah, il a l'air d'être... Un petit crapaud. Je peux le prendre? Un cactus rond. C'est délicieux avec... avec du sucre. Oh, des plantes. Tout cassé. Comme Link. Mmh. Oh. Ah non. Attends, me dis pas que... Je suis oh, il y a des ruines blouches côté là. Encore là. Parce que si, si, t'es parti du mauvais côté. C'est pas possible. Mais non, t'inquiète, c'est bon. Il est là. Mais je le fais exprès, c'est pas possible. Pourtant, je suis la flèche. C'est incroyable, je vais dans l'autre sens de la flèche à chaque fois, c'est ça? Non, mais c'est bon. Ne m'attendez pas, hein. Moi j'explore parce que c'est une nouvelle map. C'est ma passion, explorer. Je vais dans la boue. Nice. Il n'y a pas trop de soucis. Oh, mais en fait, j'arrive, ça va. Oula, non, ça m'envoie de droit dans le ravin, là. Ouf. Bah, qui fait malin tombe dans le ravin. Oh là là. C'est le philoptère qui va me mettre dans le ravin. Mais t'es juste à côté de nous, en plus. Mais non. Ah, et la boue, elle est bien gênante. Oh, l'ami, Dami, fais attention. L'ami. Hey, l'ami, fais attention quand même. Faudrait pas mourir pour si peu. Attendez, je vais essayer d'utiliser mon animal. Alors, attendez, ça doit être lui. Mon animal. Wouh. Ouais, j'ai vu une loque qui décolle. Mais tu t'en vas super haut. Allez, qu'est-ce qu'il se passe? Mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai mis un rebondisseur. Un rebondisseur. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça rebondit bien. Et hop. Dans les dents. C'est incroyable. Ah oui, non, il fait de la boue, lui. Il est méchant. Ouais, il faisait pas de la boue dans Génération Ultimate. Il a toujours fait de la boue. Oui, mais pas de la c'était boue moins comme gênant. Ça. C'était moins gênant dans les jeux. Dans les jeux SD, quand même. Pas de la boue qui ralentit, je veux dire. Attends, je voulais checker. Il faisait de la boue qui ralentit. Me dis pas que j'ai oublié de faire le stock de munitions. Tiens, je vais t'aider. Oh. Ouais, non, mais carrément. Je vais t'aider, l'eau, paf. Merci, tu me fais quoi? Je vais peut-être à l'empoisonner. Ah, ok. Non, t'inquiète, Livol. On va explorer, nous, on bat le monstre. Nous, on a l'habitude, t'inquiète. Fais du repérage pour trouver les camps. Ah oui, justement, là-bas, il y a des munitions, là-bas. Je vais chercher. Il y a des munitions. Je repère les munitions dans la nature. Non, je veux dire le tchat. Non, mais c'est indiqué sur ma carte. J'ai fait que ma carte a dit que les matériaux arrivent. Attends, je vais essayer. Voilà, 10 munitions tranchantes. L'eau, l'acrobat dans son tout nouveau numéro. Ah, mais elle est très bien, l'eau. Ouais, pas d'autre par contre. Je vais boire une petite baisson là. Ça fera pas de mal. Je
je prendrais bien cette vitaque. Oh, bien joué, le monstre, bien joué. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que j'ai oublié de prendre des souquettes. Ah mince! J'ai de l'eau sur moi. Aïe! Il y a quoi là? Arme de Wyvern. Il a pleuré comme un bébé là! Oh là 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 là! Le Baros, c'est un bébé! Ok, bon, allez, je vais arrêter de le provoquer, quoi, quand même. Ah, rageux, le Baros. C'est vrai, ça, on le dit pas assez, mais c'est incroyable. Il est très rigolo, là, quand il en pleure de rage. J'allais dire, c'est très rigolo de voir se recharger en boue. Oh, une grotte. Oh, mais c'est un toboggan, la grotte. Trop bien. Oh, oh, bien joué, le monstre. Bien joué. Mais où est-ce que tu vas, là? On est en train de faire le combat de la mort. Mais quel idiot. Ah, mais non, il y a l'eau en bas. Non, 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 il y a déjà en bas. Moi, je suis descendu parce qu'il allait. Ah non, il continue, en fait. Oh, et puis, j'ai eu peur pendant un instant. Je me suis dit, mais c'est pas le diable, quand même, là. Non, c'est un Bassarios. J'ai trouvé un matériau Bassarios par terre. C'est nul, Bassarios. Mais il est joli quand même, Bassarios. Ouais. Il donne une armure rouge. Il donne même une armure. Un Bassarios Ruby. Mais qu'est-ce que. Il faut servir du. Enfin, c'est le Bassarios Ruby, oui. Mon chien, non. Bon, bah, pas de chien. Hein. Pas le chien. Je sais pas ce que c'est. Ah, voilà. Non mais attends, je comprends pas trop ce qu'il fait là du coup le machin là, le barotte là, il est venu, il... Ah il voulait jouer avec la Ratian. Non mais il est sérieux? Et si là il attaque en plus? Mais c'est quoi son problème là? Allez, tu voulais faire un combat contre la Ratian? C'est parti! Attends non Ratian, on va par là. Le barotte il a un problème. Ah, elle est gelée là la Non, elle a fléau haut. Oh, c'est le coup de queue. Oh, bien joué, la Ratian. Ça, c'est du bien joué, la Ratian. Allez, on enchaîne sur la punition montée. Attends, il y a un bébé Baroth. Oui, c'est... Non, c'est un Bassarios, peut-être, non? Non, il y a vraiment un bébé. Vraiment, c'est un petit monstre qui ressemble au Baroth. Le fameux bébé Baroth. Il va voir ce que c'est. Bébé Baroth. Pour se souvenir que tous les monstres, c'est des Baroth. Ah oui, j'avoue. À nos débuts sur Monster Hunter, tous les monstres on les appelait des barottes. Hein. Il n'y avait pas de distinction, c'était barottes. Ah, regardez-le là, il fait la charge debout. On rappelle qu'il y a le père Dodu là dans le world. Je sais pas pourquoi ce monstre il existe parce qu'il fait rien. Alors, père d'Odu, ouais, tu parles de Juratodus, c'est ça? Ouais. Ah, le Questodon! Ah oui, le Questodon! C'est vrai qu'il ressemble un peu au Baroth, effectivement. Mais non, les deux n'ont rien à voir ensemble. On pouvait les chevaucher d'ailleurs dans World. Ils ont remplacé les Questodons par des chiens. C'est pas faux, hein. Ah, je suis monté. Le fameux. C'est vrai, il faudrait que je change ma phrase pour dire que je suis monté. Je suis sur le coup. Incroyable, incroyable. Et voilà, il est tombé par terre. À vous de jouer. Enfin, ah, je dis à vous, mais techniquement, il n'y a que toi, puisque Evil n'est pas là. Il y a Dia aussi. Non, si mais tu veux. Je suis sûr que. Allez, j'arrive. Non mais c'est parce que hier on se disait ouais c'est difficile de jouer à niveau 1 mais finalement c'est trop facile alors du coup maintenant on a décidé d'affronter des monstres à 3 mais à 2. C'est pour le challenge. Non mais c'est parce que après comme ça je vous dis je connais la zone, je peux vous dire où sont les camps et tout. Ah t'es le ranger en fait, t'es celui qui surveille l'environnement et tout.
Ah, il est là. Oh, c'est peut-être un truc de zone, ça. Qu'est-ce que ça tu cherchais? C'est louche. Ah. Ah bon. Bon, faut trop que je chute dans le trou, c'est obligé. Au lieu de venir vous rejoindre. C'est une autre grotte, trop bien. Ah, en plus, c'était un matériau que je cherchais. Hihihi, j'ai mis un somnicrapaud. Oh. On en a fait deux. Voilà, tu peux faire ce que tu veux maintenant. Bah, je sais pas. Enfin, à part le taper, je vois pas trop ce que tu veux. Bah, go le taper alors. A vos souhaits, à 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 vos souhaits. Je suis allergique au somnicrapaud. C'est plutôt logique, hein. Je suis plutôt d'accord moi-même, je pense que... Oh, il s'en va. Bah, le gars, on le prive de sa sieste, bien mérité, là, il comprend pas. Oui, mais il y a un truc, là. Non, c'est si je sors de la grotte. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pour de la défense, ça. Non, je pars avec le crapaud. Je le comprends, je le comprends. À sa place, je peux dire que j'aurais réagi pareil, mais presque. On mange ça. Il est là. Oh, je voulais faire une jolie esquive et j'ai raté. Non, je suis mort. C'est évanoui. Oh, oui, bah en même temps, là, je me suis pris une grosse charge. Mince, il y a de la boue par terre. Ils l'ont pas dit dans les commentaires. Dommage! Ils l'ont pas dit dans les commentaires! Comment voulais-tu qu'ils le sachent? Bah, il fallait, c'est tout. Mais non, il est pas. Mais non, mais il est déjà parti, mais. C'est inadmissible là! Oh, Lou, pourquoi t'as une croix là? Pourquoi j'ai une croix? Ouais, ça fait un truc. Comment ça j'ai une croix? Bah là, regarde mon jeu, tu vois, ça brille! T'as une icône qui clignote! Je suis en train de regarder ton jeu là. Il n'y a pas écrit ton prénom à 36 millions d'endroits! Il y a une croix? Enfin, mais non, c'est pas une croix, c'est un boost! Ah oui, c'est un boost d'affinité. C'est une épée avec une croix. Oui. C'est pas pareil. Puis moi je me jette de mon chien. Oh, hein, un truc sur ce pilier là-haut. C'est pas pareil. Oh, des champignons. Oh. Bon, je suis dans les ruines. Trop bien. Je suis désolé mais je m'amuse trop à explorer. J'adore ça. Je vois ça. Je me dis je vais où? Bah pas là où il y a l'ivre, j'imagine. Non non, moi ignorez-moi. J'arrive d'amis avec mon chien caniche. Il vole, c'est tout bon pour lui. Ah ouais, d'accord. Oh mais c'est pas grave, il y a eu le dango résurrecteur. Quoi? Non. Mais pourquoi c'est écrit talent dango résurrecteur alors? Ah cours. Ah peut-être ça a pas compté en fait. Genre bon bah merci, ça fait plaisir. J'allais dire c'est bon pour l'Ivol, tu vois. Nous on fait la quête et puis lui bah il fait ses affaires. Là j'ai trouvé des ruines trop bien. On pourra, si jamais on perd, on pourra dire que c'est la faute de l'Ivol. Ah mais carrément là. Oh non, mal. Il m'a fait super mal, je comprends pas pourquoi. C'est juste un baroque quoi. Oh, allez. Ouais, mais il a l'air fatigué quand même. Ouais, je peux. Ah. Bon, je crois qu'il est reparti. Ouais, là, il s'en va. Ouais, peut-être que je mange. Tu veux manger quoi? Des rations. Ah, ok. Une piste le Barros. Où est-ce qu'il va? Je sais pas où il va effectivement, mais il y va en tout cas. Ah, ici ça a l'air de lui plaire. Ne serait-ce pas un terrible Rhénoplos? Terrible Rhénoplos. Mais. Ah, il a refui. Bon, enfin. Il a refui. Non mais il est incroyable. Regardez-moi ça. Il est passé où? Il est parti encore, t'inquiète. Attends, il refait les allers-retours là ou... Attends, je le vois même plus. Ah si, il est là. Voilà.
Mais je sais pas, là, il descend, il fait ah ouais, Diablos, moi ça me manque là, moi je connais, c'est ici Diablos, il m'a shooté dedans. Ça y est, j'ai trouvé le monstre, le Baros. C'est plutôt lui qui est venu à toi, c'est bon, ça? Pourquoi je peux pas monter sur le chien? Incroyable. Il est parti de la boue. Je veux soigner, sérieux. Compliqué quand même. Ah, faut croire que si. Oula. Ouh, ça va. Plus de peur que de mal. Oula, je suis full vie là. Mais non, mais j'ai cru que j'allais me prendre son attaque, mais ça va, il a pas attaqué. Attention, il jette de la boue. Pas de dégâts. Je l'ai jamais empoisonné avec mes attaques, je crois. Je crois pas l'avoir vu empoisonner. Je l'ai vu empoisonner une fois, mais c'est quand t'as dit je vais t'aider. Et après, tu l'as empoisonné. La Ratian. C'est peut-être pour ça en fait. Mais après, j'avoue que. Non, je suis trop bête, j'ai attaqué alors que j'avais pas fini de voir ma potion. J'essaie de l'empoisonner moi. Ah mais il y a Livol aussi qui empoisonne. Donc en fait si ça se trouve. Après Livol a pas attaqué le monstre encore, c'est la première fois là. Ah je croyais qu'au début il l'avait un peu attaqué quand même. Je crois que oui. Oh non je vais remourir. Mais après j'ai remarqué que j'avais pas de munitions et. Et c'est là qu'il est parti explorer pour chercher des munitions. Purée, t'as rien soigné. Ah non ok, c'était petit pas petit, ok. T'inquiète, ça vient. J'étais en mode bon bah bon. Je sais pas ce que t'as bu mais ça marche pas très bien. Une méga potion. Ah mince, faut que j'aiguise. Ouais, il a toujours pas cassé la tête. La queue. La tête non plus d'ailleurs, ah, mais. Tu roules pas sur moi, j'aiguise là. Ça va, ça ne fait pas mal comme mouvement. J'ai eu peur de l'eau qui saute. J'ai cru que c'était le Baroque qui. Ce n'est que moi, ne vous inquiétez pas. Oh, il m'a fait un coup trop méchant! Il a voulu me faire la même chose que tout à l'heure là. Il m'a fait un coup et ensuite il a voulu me foncer dessus et ça m'a tué en un coup. Ah non, mon chien est stun. Attention, là il va refaire le coup. Ouais. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris ce qu'il avait fait. Je crois qu'il a jeté de la boue sur moi et ça c'est pas très sympa, franchement. Je. Oh oh. Ça on met beaucoup de temps pour tuer juste un Baroque. Ça valait le coup de boire une baie soin pour être comment dire, fléau-olisé. Ah oui, c'est un Bassarius, ou non, oui. Annexe. On peut pas dire aider le Bassarius, ça pourrait être très cool, non? Ah, oh, en plus, j'ai pas d'attaque, là. Il me faut de l'attaque. Ah, oh, c'est bon, parfait. Il suffisait de demander. Attention, fonce. Regardez, le combat a duré toute la nuit. Il fait jour, maintenant. Le combat a duré toute la nuit. Et j'avoue qu'on a une endurance de fou, hein. Ouille. Les stun grâce à le pouvoir de la flash bombe insecte. Aïe. Non mais voilà, le Baros il rigole pas. Il s'est entraîné dans World en fait, c'est pour ça qu'il était dans le jeu. Je vois, il s'entraînait, il devenait plus fort. Ah il boite, ça y est, enfin. Oh. Je peux faire mon travail, je peux le capturer. C'est tout ce qu'attendait Livol. Mince, vous êtes monté. Non, pas encore. Moi, j'attends. Attendez mon toutou. Ah, c'est bon. Hop. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais comme bêtise? Bon, après, je vois. Ah, il y a un chien, il faut que j'appelle Kiki. Oh. Oh. Je dois avouer que j'ai l'impression que je fais moins de dégâts avec cette arme. Mais en fait, elle est plus forte, mais je sais pas. Peut-être parce qu'il n'y a pas les dégâts élémentaires. Bah, il n'y a pas les dégâts élémentaires en plus. Donc, selon. Oh, c'est le Bassarius, j'ai failli t'attaquer. Oh, il a pleuré. Mais non, j'ai plus de pièges, forcément. J'ai pas fait plein de trucs.
Mais pourquoi t'es énervé, Bassarios? Qu'est-ce qui t'arrive? Par contre, on va là, mais il est pas parti par là, le barreau. Non. Oui, oui, il est dans l'autre direction opposée. Ah oui, non, c'était pas lui. Je sais pas pourquoi je suis parti là, du coup. Non, mais moi, je confonds le Bassarios et le barreau. Que Divol va devoir tuer un monstre. Tâche. Sauf s'il arrive à aller dans le camp avant qu'il récupère ses objets dans, oh, sa, il dans, dans sa tente. Bon, il est où le monstre? Je vois pas. Je me demande où il est. Mais purée, mais la flèche aussi, tu pourrais indiquer qu'il est là, non? Wouhou. Ah, oh, cette pierre, elle est vraiment trop bien. Il est où, Divol? Il est parti. Je suis pas parti dans le bon sens. Non, pas les rémobras! Tu aimes pas les rémobras? Ouais, les dogos colorés. Et ouais, maintenant on a un dogo. Incroyable. Dommage, on peut pas faire un bouton pour faire ouin ouin. On peut pas faire un bouton pour faire ouin. Falloir se dépêcher, il va bientôt se réveiller. Je suis là, je suis là. Ah, il est là. Bon, bah vous êtes prêts? Oui. Alors allez-y. Oh, moi, je fais vraiment 3 de dégâts, on est revenu au début du jeu. Pas OP hein, ton bâton. Et il est fait pour empoisonner, mais comment dire? Il est pas, c'est peut-être pas le fléau. Il est pas content tout ronron là, le barotte là. Franchement, je vais me prendre. Attention, il va dasher après. Est-ce que ce serait pas mieux que j'attaque avec mon zik? Pas du tout, non, d'accord. On fait 3 tous les deux. Il va dasher. Tiens, bon ami. Ouais, mais. Ça va aller. Perso, il avait la flemme. Il faisait une dodo par terre. Bien plus intéressant. Non, tu partiras pas comme ça! Je pars pas! Oh là là, je vais me prendre un coup. Ouais, là, ouais, attention à vous! Ouais, il est mal. Attention, Non, non, je crois qu'il allait. Je vais bien. Il fait le coup. Attention, il va mettre de la boue partout! Oh là là! Par contre, avec les rémobras, les FPS ils chutent un peu, hein, quand même. Ah mais les rémobras, toujours pour plus de fun. Bien joué. C'est pour ça que t'aimes pas les rémobras, n'est-ce pas? Non, moi j'aime pas les rémobras pour une autre raison. Je suis tombé sur la pub, je pensais que c'était Monster Hunter, sauf que c'était juste la pub. Enfin, je suis monté sur mon chien, je ne dépèse pas. Mais... Non mais ils mettent le Barros avec le Barrios, comme ça on est perdu. J'avoue. Ok. Je me suis trompé, je voulais. Y a pas des monstres qui sont morts dans le coin? Si. Oh, il y a un matériau ici. Ah non, on peut pas. Ah non, c'est là, pas un vrai. J'ai plus de place, j'ai trop exploré, j'ai plus de place pour prendre le matériau. Ouais, oh, t'inquiète, là, c'était juste une larme. Moi j'ai une vertèbre. Oh, ben, je sais pas comment t'as trouvé une vertèbre par terre, mais... C'est le jeu qui joue. Il a cassé sa vertèbre, il l'a laissé tomber par terre. Oh, il est là. Oh, c'est le Jaggy. C'est le Jaggy. Incroyable, je l'ai vu. S'il y a Jaggy dans le jeu, ça veut dire que... Il y a pas de grand Jaggy. Il y a pas de grand Jaggy, parce que c'est pas la première fois qu'ils mettent des Jaggy, mais pas des grands Jaggy. Ils sont trop méchants avec le grand Jaggy alors que c'est le meilleur monstre du jeu. Mais justement, ils le mettent pas parce qu'il est trop fort. A chaque fois, ils veulent faire des jeux plus faciles pour les nouveaux. Et du coup, ils peuvent pas mettre le grand Jaggy, il est trop fort. C'est qui chef des Jaggy et des Jaggy en attendant? Bah, c'est les tiens, là, il y a l'eau, une horde de calamité se dirige vers Kamura. Oh non, ça veut dire que je peux plus jouer oh, avec une vous. Une horde de calamité se dirige sur Kamura. Oh, une horde de calamité se dirige vers Kamura.
Les villageois vers la forteresse ont pris les armes et ils vont faire de leur mieux pour la défendre, mais nous allons devoir nous charger de tous les monstres qui y échappent, ou le village ne fera pas long feu. Si oh bah, il y a Livol, il a déjà chargé son arme, attends la couche. Je compte sur toi pour t'occuper des monstres qui parviennent à la forteresse. Ton rang de chasseur n'est pas glorieux, mais nous avons confiance. Nous n'avons pas confiance en ta capacité à nous surprendre. Ne t'inquiète pas, Fugen et moi, nous n'étions que des blancs-becs au moment de faire face à la calamité à l'époque. Nous avons survécu. Je m'occupe de coordonner la défense, Lo. Concentre-toi sur le fait de sécuriser la forteresse. Tu peux obtenir des quêtes urgentes liées à la calamité auprès de Minoto au fur et à mesure qu'elles arrivent. Bonne chance, tu en auras bien besoin. Oui. C'est quoi les choses? D'après eux, en fait, la calamité, c'est pas terrible. C'est des petits monstres. Attends, du coup, on est obligé de faire un truc ou on peut l'ignorer? Ah, il faut parler à Minoto. Ouais, Minoto. Mmh. Quête urgente depuis la liste des quêtes avant de partir. Moi aussi, je me charge de protéger la forteresse. Dommage que tu puisses pas y avoir mon talent à la lance. Quoi? J'ai pas lu, je crois. Les tu devrais tout de même accepter la quête urgente de... Vous devez repousser les monstres en utilisant principalement des machines de guerre pour défendre la forteresse. Tenez bon jusqu'à la dernière vague soit repoussée ou la menace vaincue. Afin de compléter l'objectif principal, ça a l'air rigolo. Quoi. Oh, c'est une Ratian plus un machin. Et du coup, on peut la faire à plusieurs? Bah, je pense, oui. Je vais prendre la quête, on va voir ce que ça donne. Oh, c'est une Ratian, t'as dit. Et un tétranodon. Okay. Je vais peut-être changer d'arme. Je vais garder l'arme de feu, hein, je pense. Hein. Fait un peu plus mal, malgré le fait que... Ah oh, ouais, elle fait quand même beaucoup plus mal. Hein. Après, je sais même pas si la Ratian, ça craint. Tiens, d'ailleurs, j'allais dire, regardez, maintenant, on a un super tableau, honnêtement, ah, pour, voilà. pour voir les faiblesses et tout. Ah, si, elle craint un peu la glace. Et on voit les fléaux. Est-ce que c'est craint la glace? Un peu. Oh, finalement, je peux peut-être garder l'arme de glace. Mais du coup, maintenant, on voit, en fait, si vous avez vu nos premières séries sur les Monster Hunter, on a affiché un petit tableau, justement, qui affichait ça, mais à la base, Capcom affichait pas du tout ce genre de détails, mais maintenant, ils le font, et du coup, c'est plutôt rigolo. Et bien pratique. On se l'accorde, on n'est pas obligé d'avoir un dex à côté quand tu joues à un jeu. D'ailleurs, il n'y en avait même pas dans Monster Hunter World. Enfin, j'en ai jamais vu, en tout cas. Attendez, je vais prendre la quête secondaire. Ah oui, j'ai oublié d'en prendre moi aussi. Ça fait un moment. Ça, c'est des grands monstres. Oh non, j'ai pas eu guérisseur. Moi, j'ai eu résurrecteur, mais oui, ça a pas ça. L'air de marcher, donc du coup, je comprends pas. Là. Mais si ça marche, ça a compté. Enfin, je sais pas, en fait. Bon, ça y est, je vais sortir enfin des potions de chez moi. Là. Sous-quête. J'en ai plus une seule. On n'a plus besoin d'internet. Ouais, on peut même voir les droits. Et du coup, c'est une nouvelle zone qu'on va avoir. Effectivement, on peut même voir les drops, genre par exemple... Enfin, les drops à condition qu'on les a déjà eu. Genre par exemple, moi j'ai eu une plaque, donc on peut voir que la plaque, elle se drop à 3% en dépeçage, 4% à la aux récompenses de dégâts. Enfin d'ailleurs, c'est affiché plus précisément si on lui demande, plus en détail. Genre ils disent que 4% bien. Pour la tête, 1% pour le dos, 1% dans le torse et 3% dans la queue. Non. Il manque l'ivol. Oui. Mais voilà, en tout cas, c'était pratique. Et les Jaggi, c'est les meilleurs monstres du jeu. Il faut jamais attaquer un Jaggi parce que si t'attaques un Jaggi, déjà, c'est que t'as pas de cœur. Mais oui, mais quand la quête, elle demande d'attaquer les Jaggi. C'est la seule exception. C'est le seul moment où t'as le droit. En plus, ils sont trop bien parce qu'ils t'aident la forteresse rouge. Dernière ligne de défense. La calamité nous assaille pour semer la pagaille. Mais il ne sert à rien d'avoir peur face à ce malheur. Car notre forteresse est là pour nous protéger lors du combat. Bienvenue dans la quête d'arène. Oh, oh, il est tout joli, il est tout mignon lui. Hors d'en approche. Oh, mais c'est une... Ah ouais, non, ça c'est vraiment tout nouveau, ça n'existait pas avant. Où le coffre, il est là. Alors on prend ça, téléportogène, ça, moi je connais pas. Ah ouais, là, il faut qu'on dise qu'on est prêt parce que... Attends. Ah d'accord. I'm ready. Plateforme d'installation. Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être chevauche. C'est par là?
Ah ok, j'ai installé une on peut passer baliste. par là. Mais moi je m'en fiche, je veux attaquer les monstres au corps à corps moi. Du coup on a des munitions ou... oh, on a quelques munitions. Okay. Comment on va... Ils sont où les monstres? Enfin ils vont apparaître où? Là-bas peut-être. Ouais je pense que c'est là. Je vais me mettre là. Allez venez. Donc là il faut qu'on fasse étourdir un monstre, repousser avec baliste, infliger un fellow aimantaire, repousser avec canon. Ah d'accord. Plateforme d'installation. C'est quoi ça? Maintenir. Oh, je non peux. Je veux pas le maintenir, je veux rentrer là-dedans, c'est quoi ce truc? Tu peux élever l'installation si tu appuies sur ça. Trop bien, il y a une installation qu'on peut installer, ça s'appelle Fugan l'Ancien. Fugan l'Attaque, vaillamment avec son épée, tranchant les monstres à proximité. Ah regardez, on a des petits objectifs à gauche. Étourdir un monstre, repousser avec balise, un défenseur repousse un monstre, repousser avec un canon, infliger un fléau élémentaire. Auto, baliste Kamura, Fugan l'Ancien. Mais attendez, du coup, on est tous là ou on n'est pas tous là? Ouais, il y a quelqu'un qui a pas là. Validé. Ah, et lui, du coup, c'est un gars tout seul. C'est moi qui peux valider, peut-être? C'est moi, hein. Je crois. Enfin, moi, j'ai validé. Voilà, désolé. Moi, je croyais qu'il suffisait de venir, désolé, c'est moi qui ai tout gâché. Me voilà fortement énervé. Bon, finalement, je vais rentrer là-dedans. Comment il vient d'où? Mais comment je rentre là? Mais le gars, il est bon. Ouais, il est c'est pas grave. Ah, j'ai pas réussi à passer. Oh, purée, ils sont pleins déjà. Non! Ils sont déjà en train de tout casser! Il y a le tétranodon, il casse tout! Je sais même pas où ils sont les canons, ils ont dit. Ouais, mais ils sont énormes les monstres! Ouais. Je vais tomber dans un trou là. Non, il fait le séisme! Oh, il a détruit tout là, le tétranodon, alors que j'arrête pas de lui shooter dedans. Il est mort. Ah oui d'accord, il meurt comme ça. Qui est mort? Peut-être à l'odon. Forteresse niveau plus. Ah mais en fait c'est un tower défense, je vois. Mais oui. Mais bon là on a bien perdu. Ah oui d'accord, il disparaît comme ça. Ah, quoi? Mais y a rien là. C'est bon, je veux mettre un truc. Comment on fait? Bon. Je sais pas si vous êtes dans des machines. Moi je suis dans une machine. Comment? Moi je cherchais les canons. Je vais y aller au corps à corps. Hein, plus... Ouais, j'ai réussi à repousser avec baliste. Je pense peut-être pas à moi. Mais... Bah, j'imagine que si. Moi, je fais du corps à corps alors ça marche pas. Quoi. Je rapporte pas bah, si t'arrives à étourdir un monstre, peut-être que. Mais je peux pas étourdir des monstres parce que moi, je suis un humain. Enfin, je suis un double lame. Ah, mais il y a des objets par terre là. Ouais. Ah, ils sont déjà dans le. Je vais peut-être essayer d'utiliser une baliste. Il y en a d'autres. Mais non, mais attends là. Je vois pas que je suis en train de. Ah, ah. Allez, c'est bon là, tac 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 tac. Ok, ah oui, d'accord. Ah oui, là il y a un truc que je peux utiliser. Ah non. Ah oui, d'accord. Ok. Oh non, voilà, il a cassé ma baliste. Ah, et là il y a un canon. Oh, c'est trop bien. Oh, mais c'est trop bien les canons maintenant. Regardez-moi ça. Attendez, là j'arrive. Comment on tire? Comme ça. Pouf! Pouf! Il n'y a pas de. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais c'est trop bien, on peut tirer à l'infini. Il y a pas de... Je peux pas appuyer sur ce truc. Bon, j'ai utilisé un gong de riposte, je sais pas ce que c'est. Je suis au Wyvern. Oh. Ouais, t'as réussi à chevaucher la Wyvern. Attends, je peux faire un tir électrique là. Non, je vais pas le projeter. Attends. Bon, j'ai fait la même bêtise que Dami. J'appuie sur Y au lieu de... Je suis coincé. Okay. Tiens, paf! Ah, on peut se garder! Ils ont atteint la dernière porte, tu dois la protéger! Faites pas, moi je suis sûr. Il se passe quoi si on échoue? Tétranodon est apparu! Forteresse niveau plus! Par contre, là, c'est la déchéance, moi je le touche pas d'ici, je pense pas. Bon, il y a lui là, il va encore me shooter dedans. Attends, si je fais garde là comme ça, qu'est-ce qui se passe? Rien, ok, il attaque pas. Non, il m'attaque pas là. Tiens, paf! 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 Bonjour! Tiens, le coup de l'électricité, paf! Bon, moi je reste là-dedans, c'est trop bien. Je suis dans un canon, moi je préfère les canons, c'est plus rigolo les canons. Moi je suis désolé, mais je trouve pas de canon en fait. C'est moi qui l'ai fabriqué. Ah.
Bon, par contre, oui, en fait, moi, en fait, je suis au milieu, donc je sers un peu à rien aussi, accessoirement, parce que ils attaquent tous là-bas et moi, je fais rien. Ils attaquent la porte. Attends, déjà arrive. C'est quoi ça? Ils ont disparu. C'est qu'ils sont battus. Je vais mettre une balise. Je dois avouer que je comprends rien à ce qui se passe. Attendez. Attends, non, je vais reprendre le canon là parce que. Oh, il y a un canon ici. Oh, il voit, là-bas, c'était. Ah, d'accord. Bah, c'est pas, je vais mettre un canon ailleurs. Hop. Ah, il y a bien sûr, il faut tous se détourner. Non, mais eux, ils s'en fichent, les tétranodons là. Ils vivent leur vie. Allez. Ah, je lui ai fait. Je lui ai fait le coup de l'éclair, je lui ai fait le coup de l'éclair, c'est bon. Oh là là. Bon, on en a quoi? Des tirs anti-blindage. On a un tir de retraite, c'est, je sais pas ce que c'est. Voilà. Quand tu veux partir à la retraite, tu fais ça. Voilà. J'imagine que c'est pour éviter une attaque d'un ennemi. Premier ordre repoussé. Bien joué. Bravo. Attends, lui, il est encore là. Attends, mais il y a encore l'autre là aussi. Non, c'est bon, ils sont bons. Attention, c'est la ratienne qui arrive maintenant. Je vais dans le canon, parce que le canon c'est la vie. Ok, mais là ils sont pas encore. Est-ce que du coup ça sert à rien que je prenne ce canon, cette baliste? Ouais, mais là du coup notre défense est cassée déjà. Mmh. T'imagines? Vous visez la tête, toujours la tête. Ah oui, du coup il y a pas de campement, du coup j'ai pas accès à ma boîte. Ah non, d'accord, il faut qu'on dise qu'on soit prêt. Bah, attends, du coup, tu peux peut-être rentrer avec un téléportogène en fait, Livol. Ouais, on a. Oui, non, mais je peux retourner à la base, mais il y a pas c'est de. C'est quoi ce truc de bon? J'ai pas accès à mon coffre, quoi. Ah, je vois. Bon, tant pis. J'indique que je suis prêt. D'accord. L'heure à. C'est ça, peut-être. Bon. On peut pas reconstruire le mur? Non, je pense pas. Fugain l'ancien. Il est trop bien. On peut pas reconstruire le mur. Ok, très bien. Ça, je vais du le coup, ranger. Là, faut pas les laisser passer. Donc, je vais mettre un canon. Voilà. Donc, allez, moi, je dis que je suis prêt. Ah oui, d'accord. On peut se protéger même quand on est dans un. Je vois. Oh, c'est Buké. Oh bah. Allez, hop, le coup de l'éclair là, paf! C'est quoi ça? Bon, il y a un monstre qui. Ah, oh, c'est un Passarios. Ouais, je m'occupe du Passarios. Par contre, s'il y a des monstres qui sont passés. Ouais, il y en a qui sont passés là. Moi, je suis en Passarios, là, il peut rien me faire. Mais il est parti, le gros lâche de Passarios, il s'est enfui comme un gros lâche! Ah, un défenseur repousse un monstre, bien joué, vos défenseurs. C'est quoi ce truc? Attends, quoi? Tous mes canons sont pris. Mais même. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui, là? Il est dans un. Bon, ok, tant pis, j'y vais à la main. Hein, moi j'ai compris. Tiens. Ah, c'est bon, les canons, plus besoin. Ah, je suis monté sur un Arzuro. Oh, bien joué. C'est où, les monstres? Ah, bah, c'est le dernier monstre, en fait, donc. Ah, bah, c'est le dernier monstre. L'édition non, bon, bonus donne de l'expérience. Ah, non, attendez, là. Hop. Quoi? Ah, ils m'ont cassé mon canon. Pas grave, il a un cooldown, il va revenir plus tard. D'accord. Plateforme de station. C'est une baliste. Bon, je sais pas s'il y a coup de baliste, je vais réussir à battre lui. Allez, j'arrive. Électricité. Ah, ok, je vois. Ok, c'est bon. Ah, ça y est, je crois que je comprends. C'est bon. C'est des trucs soit automatique, soit manuel. Ouais. Ah, par contre, il y a un monstre qui est. Ah, ben non, vous êtes dessus. Ok, moi je suis sur les monstres du début là. Qui arrive là. Oh, y a un Bassarius qui arrive sur vous. Désolé, j'ai pas pu l'arrêter. Mais c'est pas grave, j'arrête le puqué, le gros nul. Oh non! Y a le Isushi, il va me shooter dedans là encore. Parce que lui, il est comme ça. Le Isushi, il rigole pas. Oh là 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 là. Je pense que les canons, vaut mieux les garder pour la fin, pour repousser. Parce que là, par exemple, j'arrête les Bassarius avec des balistes, ça sert à rien. Bien joué, regardez. On est monté de nouveau. En fait, c'est peut-être pas si inutile. Victoire. Est-ce qu'il y a des nouveaux monstres qui arrivent là? Non.
Oh, il y a des monstres qui... Ah non, c'est un chien. Vous avez... Il y a plus rien là. Ah si, si, ça arrive. Donc là, on a un Bassarios, deux Bassarios, un Arzuros. Oh, a... Attends, j'installe Yomogi la chef. Vomogi. Là, Yomogi. C'est qui fait les... C'est qui Yomogi? C'est qui les Dango. Ah! Qu'est-ce qu'il veut? Faudrait qu'on arrive à repousser des monstres avec des balistes. Ouais. Mais du coup, elle fait quoi, Yomogi? Je sais pas, mais j'entends, elle a l'air trop heureuse. Bon, je vais essayer de me mettre à la baliste alors. Du coup. Oh non, ouais, je suis empoisonné. Attaquer les méchants. Ah, j'ai plus de stamina. Mais méchant, il m'attaque. Oh, il y a un canon! Oh, mais c'est trop bien, attendez, moi je prends ça. Ça a l'air trop rigolo. T'es quoi? Oh, mais non, mais c'est trop nul parce que je suis par terre. On va. Attendez, y a plus où est-ce qu'il va cet Arjuros? Il est complètement fou. Bon, attends. Oh là là! Je perds masse de vie là. Ça suffit les bêtises. Ouais, je le fais c'est tomber. Le buquet, il est pénible. Ouais, c'est bon, je l'ai fait tomber. Donc là, ce que je vais faire, je vais enlever ça. Et je vais mettre le canon autour. Ça a l'air trop bien ça. Non! Mais non, mais oui, mais il faut. Non! C'est nul, balise, on s'en fiche de balise. Mais si, c'est pour le côté là, il y a des missions et à moi, faire. Moi je veux ça. Mais oui, mais on l'a déjà fini. C'est vrai, vous l'avez déjà utilisé, mais moi j'ai jamais utilisé ça alors. Ah non, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. C'est le canon auto. Moi j'ai jamais utilisé ça. Ah oui. Ratian est apparu. Paf 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 paf. Les effets des machines ont pris fin. Je vais mourir. Bon, je le disais donc. Je veux aller dans mon canon. Mais ça suffit, Ratian. J'ai pas encore vu tous les tirs que je pouvais faire. Donc j'ai un tir à fragmentation. Je sais pas ce que ça fait. Ça a pas l'air terrible. Ça a l'air nul hein, quand même le canon automatique. Finalement. Oh non, si ça va. Oh, ah si, on peut faire un tir bien de soi. C'est-à-dire qu'on peut monter sur le mont si on tire plein de soi dessus. Oh mais les puqués. Ah les puqués, c'est un temps terrible quand même. Oh il m'a chuté de moi. Oh j'espère que la ratienne ne peut pas. Le puqué, il faut utiliser un canon dessus. Un vrai canon, ah, genre. Non, il manque assez mon canon. Va t'en toi, tu sais. Je sais pas comment repousser le Bassarius qui attaque la porte. Attends, j'arrive. Mais là, il va la détruire. Non, pas tant que je serai là. Non, ouais. Mais tout le monde m'attaque. C'est bon, le puqué, je m'en suis occupé. Oh non, Livol. Bon, Livol. Oui, bon, bah, Livol est mort aussi, mais je voulais dire, le puqué, c'est bon, je m'en suis débarrassé. Ah, j'ai été poké des cuillères. Ah, on voit le symbole de la porte, mais c'est. Je vais jamais y arriver. Attends, bonjour. Ah mais c'est toi Ratian. Tu vas me tuer. Oh ouais, non mais c'est... Moi je les aide à casser la porte en fait. C'est la foire là en fait. Oh non, ils ont cassé mon canon. Non, je suis morte aussi. Eh ben dis donc. J'avais pas vu. Mais c'est la Ratian, elle est énervée hein. La Ratian c'est une énervée de la vie. Oh, y a Arzuros qui vient d'arriver. Ah, vous avez pris les canons. Bon. Bah, mon canon est cassé. Oui, je comprends. Ils sont plus là, les. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Il est là derrière. Oh! Pourquoi elle brille de toutes les couleurs? J'avoue. Elle est en forme, voilà tout. Mais qu'est-ce qui me tape? Qu'est-ce qui me tape là? Y'a rien! C'est pas l'Arzuros quand même. Ils là. Attaquent la porte finale, ras le bol. Oh oui, j'avoue. Peut-être que je pense à. Oh là là, je me fais dégommer. Je me fais dégommer. Ah tiens. Mais non. Laissez-moi faire. Non. Non. Oh là là. Ils ont cassé mon canon. Ils ont cassé mon canon, puis moi j'en ai rien à faire. Mais non. Je vais dans un non, canon par terre. Ils ont cassé mon canon. Mais je fais que me faire jeter en arrière. C'est des violents, t'inquiète.
Bon, mon canon est revenu à la vie. Mais non, mais par contre, l'autre, il saoule tellement, là. Mais non, il me laisse ah pas bah, charger. Pardon, Nibol, je te vole ton truc. Ah, d'accord, c'est toi qui me le volais. Mais c'est pas vrai, mais... C'est comme s'il savait que j'étais en train de faire un tir chargé. Un tir chargé? Oui, on peut charger un tir avec le canon, et à chaque fois que... Sérieux? Et à chaque fois que je veux le faire, quelqu'un m'attaque pile à ce moment-là. Non, mais... Mais non... Ah, on a le droit de mourir plus que deux fois. Cinq fois. Oh non, on a perdu. On a perdu. Ah, c'est dommage. Mais bon. Oui, mais il faut attaquer les monstres sur la porte. Mais bon, c'est parce que aussi au tout début, on a fait n'importe quoi. On a fait n'importe quoi au tout début. Genre, on les a laissés passer les premières étapes qui étaient faciles aussi. J'avoue que. Franchement... J'avoue qu'on les a vite laissés passer. Du coup, Camula est mort. Ça y est, là, c'est. Bravo, la non, calamité a gagné. La Ratian et son armée de puqué. C'est la fin du la jeu. La bonne stratège, la Ratian, bien joué. Elle a fait. Ouais, non, je vais faire. Est-ce que du coup, on a plus la quête? Bah, elle était urgente, donc on n'était pas obligé de la faire. Ah si, si. Ah, ouais, si. Ouais, c'est bon, on peut recommencer. Y a pas de problème. Mais cette fois-ci, on va être bon. C'est bon. Bah oui. On connaissait pas. On a appris de nos erreurs. C'était plutôt rigolo. donc, on va manger ça. On y va. Hop. Je vais peut-être prendre minuit, du coup. J'avoue, je pense aussi. Bah, je sais pas, parce que les chiens, ils attaquent, ils sont très agressifs. Ouais, mais mon chien, il a pas d'armes, donc il sert à rien. Ah. Désolé pour lui. Donc, du coup, on va plutôt prendre Minuit. Minuit, elle est plus agressive. Ah, Minuit. En plus, elle est trop mignonne. C'est ma copine mercenaire. Les deux mercenaires prêts à en découdre. Ça doit être frustrant, mais non, c'est pas frustrant. C'est rigolo. Ah voilà, il y a Dogo Immuable qui permet d'empêcher de tomber par terre. C'est pratique ça qu'on est dans les canons et tout. Mmh. Évidemment, je n'ai pas eu le talent. Bah, faudrait pas t'amuser non plus. Oui. Je vais prendre mon chat aussi. Parce que mon chat aussi, il fait plein de dégâts parce que il y a la meilleure classe du jeu. Guérisseur. Bon, ange gardien. Non, il y a bombe. Ah. Je suis prêt. Gros, c'est Monster Hunter Tower Defense. Mais, ah, mais c'est ça. C'est ça, c'est totalement ça. Dami, la calamité approche de Kamura. Les villages pauvres vont défendre les alentours de la forteresse. Toi, tu t'occuperas des monstres qui réussiront à y entrer. Bonne chance. C'est bien parce que les villageois vont défendre les alentours de la forteresse, mais j'ai l'impression qu'on fait partie des villageois. Plus maintenant. Ouais, il n'y avait pas ce... Mince, non, j'aurais pas dû partir. Il y avait des cadeaux avant. Bon, le coffre, il est là. Si techniquement, je m'en suis pas servi tout à l'heure. Mais... Bon, c'est pas grave, j'imagine. J'ai pris deux potions, c'est ça? Non, mais c'est pas grave, j'en avais pris une. Mais en fait, j'essayais d'en prendre une deuxième depuis tout à l'heure et j'avais beau appuyer, ça ne marchait mais pas. Mais je sais pas pourquoi par réflexe, j'en ai pris deux. Bon, ce truc-là, il sert à rien, là, ça. Ça sert à rien, allez, va-t'en. Mais si, c'est pour les points de quête. Regarde sur les côtés, on a des trucs et par exemple, il faut qu'il y ait des défenseurs qui repoussent des... Mais c'est un bambou, ça fait rien. Ah non, c'est une bombe. Ah non, ok, c'est bon, j'arrive. Ah oui, d'accord, on n'a pas débloqué les canaux dès le début, je vois. Alors là, par exemple, on devrait peut-être pas mettre une baliste, non, en fait, on va... Non, je veux changer. Attendez, mais je suis pas au début, là, en fait, ça sert à rien. On va mettre d'autres gens. Ouais, bah lui, donc il est là, bien. Par exemple, on va mettre, je sais pas, moi, un... Mais ça, Fugain l'Ancien, attends, mais non, là. Je... Voilà, Fugain l'Ancien, il va venir ici. Fugain est là. Ensuite... faudrait peut-être le garder pour la fin, Fugain l'Ancien, non? J'avoue, ils disent qu'il est limité. Bon, Fugain l'Ancien, tu viendras pour la fin, finalement. Et puis là, ça est compté comme une utilisation. Je peux pas le changer. Je crois pas parce qu'on n'a pas préparé. Attends. Je peux pas le changer. Là, tu peux pas le. Attends, c'est une fois qu'il est installé, il est installé. Oh, me dis pas qu'on pouvait remonter la barrière avec ça en fait. Bah, en fait, il y a un bouton que j'essayais d'appuyer depuis le début. Bon, c'est pas grave pour Fugain l'Ancien. On va mettre des bombes bambou là, voilà. Go les bombes bambou. C'est quoi ça? Là, il y a déjà l'Ivol. C'est qui ça? C'est Fugain l'Ancien ça, non? Ouais, carrément. Mais qui l'a mis là? C'est moi. Ah, tu as dit que finalement tu mettais. Mais non, mais je pouvais pas l'enlever, mais si tu peux l'enlever, vas-y, fais-le. Ah, ok. Il faudrait qu'on mette un baliste là. Non, je peux pas. Qui veut être le baliste? Non. Moi, je vais là.
Allez, moi je vais là. Ah, attendez, il y a un bonhomme ici. Je vais mettre un ouais. Un bonhomme. On n'est pas prêt, mais ils arrivent. Mais non, j'étais pas prête. Mais c'est peut-être fini, non? Ouais. Oui, le temps était fini. Donc voilà, tu vois, c'était pas de ta faute. Enfin, c'est la faute de personne. Ok, allez, c'est parti. Bon, là, cette fois-ci. Le premier attaque. Attaquez le truc bidule là. Le gros nul là. Le gros là. Attends, ils sont déjà morts là. Mais quoi? Mais c'est pas. Oui, c'est pour ça. Attaquez à la baliste. Attaquez à la baliste parce que comme ça, ça fait les points de baliste au début. Mais tout à l'heure, j'ai attaqué comme un gros ornithorynque. J'ai attaqué au corps à corps moi aussi. Mais c'est pour ça, c'est dommage d'avoir utilisé Fugain l'Ancien maintenant. J'aurais pas dû. Mais peut-être qu'il va. Mais il est déjà mort. Mais hallucinant, Fugain l'Ancien. Bon, tant pis pour Fugain l'Ancien. Hein. Attends, il y a un monstre là? Non. Ils arrivent. Ils reviennent. Mais en fait, ils sont trop faciles. Non, faut attaquer les ornithorynques en premier parce que eux ils vont casser, c'est eux les pénibles. Parce que les Izushi, ils nous aiment bien, c'est tout. Bon, ils sont de mon côté là du coup, en l'occurrence. C'est pas grave, les tirs ils passent à travers les murs. C'est vrai? Ouais, regarde, je tire alors que techniquement il y a un mur hein. Bon là ils avancent pas. Attends, là je peux monter sur un. Alors peut-être que. Je vais monter sur un. Alors je sais pas si ça rapporte des points, je le fais quand même. Hop, je passe le canon. Déjà? Mais on a même pas fini de tuer avec les balistes. C'est pas grave. Attention, il y a un gros à droite, il y a un gros. Je sais pas si c'est à droite ou si c'est à droite. Ouais. Bah, c'est la vraie droite, enfin c'est la droite par rapport au truc. Oh non, on ne touche pas. Pourquoi je touche pas d'ailleurs? Mince, là il casse tout. Je tire sur. Ok, en fait il était mort. Bon, on l'a fait tomber. Je préférais l'attaquer au corps à corps parce que je savais pas. Allez, il reste encore deux à battre avec le Tétranadon. Ok. Alors lui, c'est lui qu'il faut tuer en priorité. Hein, parce que, oh, il est énorme lui par rapport aux autres là. Bah, c'est sûrement le chef de la bande. Allez. Attention. Il y en a un autre. Il est passé l'autre là. Non, c'est bon, il est tombé par terre. Je crois. Ouais, c'est bon, il est tombé par terre. Ok, encore deux. Ok, on a rien fait avec la baliste en fait. Non. Ah, ok, mon truc est pas mort en fait. C'est bon. Ok. Ah, il y a Isushi juste en dessous de moi, il m'en veut. Oula, ah, non, il est passé. Quel frimeur. Ok, je suis au milieu. Fin de la mission. Ok, on a fini avec les balistes. Trop bien, plus besoin des balistes maintenant. Je vais quand même continuer de les attaquer aux balistes parce que c'est rapide. Ah, j'ai l'impression que ça fait moins de dégâts. Par contre, là, il est déjà à la porte. Hein. Ouais. Je vais remplacer. Je vais mettre. Ah non, je peux pas remplacer. Bon, tant pis. C'est bon. Ah, c'est pas fini encore. Ouais, il y a encore des monstres vers moi. Je m'en occupe. De toute façon, c'est des Izushi et compagnie. Là, je suis au canon. Ah, il fout mal. Ah, bah, si, il est pas mal. Je vais m'installer là-bas. Ah, il est trop loin pour que je le touche, je crois. Ah mince, il a cassé mon canon. Oh, bien joué. Ah, c'est un Dragonator. Ouais. C'est pas du tout. Oh, hein. Trop bien. C'est pas du tout. Hein. Bah ouais, mais du coup, bah non, pas trop bien, parce que je pensais que c'était un truc. Oh, il n'y avait pas le Dactator avant. Si. Bon, je fais n'importe quoi. Je pense qu'il a dû toujours être là. Bon. Artillerie, feu de wyvern, qu'est-ce que c'est, on va le mettre. Vous êtes tranquille, vous, ça va? Non. Non, t'es où? Enfin, moi je vais bien, mais c'était le machin là. J'ai installé deux feux de wyvern automatiques devant la porte. Il y a vraiment pas moyen de refabriquer l'arme, la défense, hein, le mur.
Parce que là, ok, là on est entre deux orbes. Ok, entre deux là orbes. On a le temps de se préparer. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de fabriquer un autre mur? Voilà. Générateur, c'est quoi ça? Ça à quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Temps de récupération réduit pour Dragonator, mais ça on s'en fiche. Ouais, il n'y a pas l'impression qu'on puisse réparer le... Bon, ça ah oui, d'accord. En fait, si on installe un troisième feu de Wyvern, le premier disparaît. Ah. Oui, on a le droit d'en mettre qu'un nombre limité. D'accord. Bah, en fait, je place les deux devant la porte qui se casse. Enfin, l'avant-dernière porte, je veux dire. Je pense que c'est le meilleur endroit. Bon, ça, ça sert à rien. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire? Étourdir un monstre, pousser avec canon. Ok. Donc mon canon, il est toujours là, il va bien. Ça va. Ah, je sais ce qu'il faut faire. Ah, ok, je peux plus générer. Mais ça veut dire que mon machin... Bon, le Dragonator est à repop. Attire donc... les monstres à une conque zone. Ah, il faudra faire venir un truc. Est-ce qu'il y aurait un truc là? Non. Il n'y a vraiment plus aucun moyen de rajouter un... Ah, là, je peux mettre un... C'est fini? Non, ça. Je vais donner à fond. Bonne chance, Yori. Il n'y a vraiment pas moyen de reconstruire un truc. Hein. Donc ça c'est encore pour le Dragonator. Bon, je vais mettre ça là, puisque... Ah mais oui, il reste une porte, ok. Ah, s'il faut que je retourne à ma place. Ah mince, l'Evol a pris ma place. Okay. Tu es sûr que tu comprends pas avec moi? Ah c'était ta place. Ouais, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah mince. Viens avec moi, il y a un canon sinon. Je sais pas où t'es. Au milieu. Ah s'il n'y a pas de canon ici. Non, j'avais mis des balistes. Rien du tout. Même. Ah, c'est comme si ce que j'avais mis, ça a été déplacé ailleurs, en fait. Mais c'est pas vrai. Mais non, il a tout cassé, l'autre abruti. Bipi, il y a un bonhomme, là, il sert à rien. Oh là là. Bon, je vais aller au milieu. Ah ouais, pourquoi ça n'a pas monté? Pourquoi ça n'a pas monté? Pourquoi ça n'a pas monté? Attends. Non, mais... C'est des bonhommes ça, il n'y a pas de truc ici. Ah si. Attends, non, ah il a dû casser, purée, il sert à rien, il n'y a rien. Ah mais le... Ah, je vais monter sur l'Argyros. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Pourquoi je n'appuie pas sur le bouton Y? Bon. Oh, ah, mince, je suis empoisonné, pourquoi je suis empoisonné? Parce que pour du bouquet, il fait des bêtises. Mais bon, bon, je pourrais avoir une arme, moi. Bon, toi, va-t'en, là, tu sers à rien. Allez, donnez-moi un canon. Voilà, c'était catastrophique comme début. Voilà. Ah bah, au moment où je monte le canon, il se fait détruire. Il y a un Bassarios qui arrive, deux Bassarios qui arrivent. Ouais. Ah, mais les méchants, ils m'attaquent. J'essaie de m'occuper des... Non, mais... Oh non, t'es... Zut. Je vois même pas ce qui m'attaque. C'est le chaos, c'est le chaos. Un défenseur repousse un monstre. Non, joué, défenseur. Ok. Le Bassarius, il est pas mort là-bas, du coup. Ouais, non, non. Ah, ils ont cassé la porte. Pas moyen de mettre un truc auto là. S'il y a ça. Ouais, oh, et puis je tire trop loin. C'est quoi ça, gong de riposte? Au final, ça sert à quoi? Ok, on a tout repoussé. Vous avec des canons. Là-bas. Maintenant, il faut infliger un fléau élémentaire. Et ça, pour ça, il faut les attaquer normalement, non? Mais tu, qu'est-ce que tu fais? Ah mais non, techniquement, il y a le feu de Wyvern, en fait. Il... Ah oui, ah, d'accord, c'est pas automatique, je croyais que ça l'était. Ah, enfin, en fait, faut les... une fois qu'ils sont installés, il faut les viser, je vois. Je crois. Il n'y a plus de monstres? Non, je comprends pas les feux de Wyvern. Ah si, ils arrivent.
Oh, je les touche pas d'ici. Artillerie, feu de l'hiverne. Mais non, mais c'est bon, je veux dire, je sais même pas qu'est-ce qui m'a touché là. Je voulais éviter. Quoi? Bon, on va prendre ça. Hein, franchement, le feu de l'hiverne, c'est bien. Mais sérieux, c'est qui m'attaque? Y'a personne! Mais si, il doit y avoir un petit monstre, genre un Argyros ou des choses comme ça. Genre, moi là, y'a un Argyros qui m'empêchait de faire des trucs. Bon, là, y'a le Izushi qui arrive. Rayon enflammé. Par contre, c'est moi ou quand on utilise le machin, on sort immédiatement? On utilise quoi? Le feu de Wyvern. Ah, je sais pas, j'ai pas eu le. Oui, c'est bizarre. Ouais, je leur fais pas grand chose à la main. J'essaye de les attaquer à la main pour. Ok. Attends, c'est bon, en fait. Ah, mais non, ça tire tout seul en fait, le feu de Wyvern. En fait, le feu de Wyvern, c'est une arme semi-automatique. En gros, tu le dis de faire un truc et paf, après il le fait. Tout seul. Ah si, on peut installer un truc. Ah la voilà, la Ratian, la terrible Ratian. Je vais essayer de tirer sur la Ratian. Je sais pas s'il faut qu'on... la Ratian ou s'il faut qu'on empêche les monstres de passer la porte en premier, tu vois. Ah, je trouve que ça doit être l'un des deux, je pense. N'est-ce pas, ça a été... Non. Oh là 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 là, j'ai pas mais le temps. Mais non, mais je... J'ai pas le temps de faire... J'arrive à rien. J'ai pas le temps de faire une quelconque attaque. Mais... Au secours. Non, de... je suis empoisonné en fait. Feu de... Bon bah voilà. Feu de Wyvern, je me soigne en boucle, mais impossible de faire quoi que ce soit. Je sais même pas ce qui me touche. Mais oui, non mais c'est pareil. Des fois il y a des attaques. Je les comprends pas. Je vois pas d'où elles viennent en fait. Mais oui. Mais c'est des Puké Puké qui attaquent de loin par exemple, ou l'Arzuros qui attaque d'en bas. Enfin voilà, il y a les monstres, ils donnent mais des là coups. J'étais vraiment dans un coin en hauteur. Bon, et il... alors, vous êtes atteignable quoi qu'il arrive. Vous êtes atteignable quoi qu'il advienne, vous n'avez pas de... Enfin, mais les Puké Puké, c'est les pires, honnêtement. Les Puké Puké est vraiment horrible. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre feu de Wyvern ici. Ah, Yaratia. Ah, en fait, pour le dernier, il faut utiliser un canon et faire le bouton Y. Pour le dernier? Le dernier défi. Infliger un vaisseau élémentaire. Oui, il faut prendre le canon de feu de Wyvern. Le canon normal aussi, ça marche. Ah oui, il fait de l'électricité. Ouais. Voilà, on remonte. Et j'ai pas le droit de remonter, très bien. Ça fait plaisir. Ils attaquent la dernière porte, fais quelque chose. On fait de notre mieux. Ah, c'est bon, on peut réutiliser Fugen l'ancien. Je vais essayer de l'appeler. Au moins, je suis monté sur un Izushi, bon, on va faire comme ça. Non, Ratian, laisse-moi, s'il te plaît. Est-ce que vous voulez que j'appelle Fugen l'Ancien au meilleur endroit? Si tu veux. Je vais essayer. Bon, je le disais. C'est cette attaque-là. Rayon enflammé, voilà. Hop, Fugen l'Ancien, ici. Fugen est là! Wow, ouais, wow, il est wow, trop puissant. Pourquoi il y a des flashs rouges comme ça? C'est Fugen l'Ancien. Bon, allez, ouais, on va pouvoir content. Bourriner un peu la Ratian, là, ça fait plaisir. Bon, bah maintenant que... Ouais, non, en fait, tu peux... Elle est par terre, là. Attendez, il y a quelqu'un sur qui on peut monter, là. C'est peut-être la Ratian, Non? Moi, j'étais monté sur les Izushi, c'est peut-être ça, non? Ah non, c'est peut-être juste un signal pour dire que c'est le boss en fait. Ah oui.
Moi je l'attaque. Sur filet au glace. Ah, ils sont là. Mince. C'était sans compter sur le coup de queue de la Ratiane. Quoi, j'ai déjà plus de potions. Tiens, Ratiane. Ah oui, d'accord, ok. J'ai posé une bombe. Non, je vais penser que ça ferait un truc différent, mais... Ah, non mais là Ratian, c'est quoi cette hitbox là? Tu m'as pas touché là, je suis pas d'accord. Franchement. Alors qu'est-ce que je peux installer d'automatique? Bah rien. Bah rien, ils ont pleuré, il y a rien, non. Bien joué tout le monde. Oh mais il y avait pas besoin. Bien joué. C'est bon. Ouais, c'était facile en fait. Ah, on peut la dépecer, on peut la dépecer la Ratian. Il faut être bien organisé. Bah franchement, je dirais que c'est une bonne quête pour conclure le stream, en fait. Ouais. Mmh. Ratiane, t'as besoin. On va bien jouer tout le monde. Mmh. Bien joué à Fugain l'Ancien et bien joué aux arbalètes et... Enfin, et bien joué à Yomogi la chef. La chef. Qu'on a même pas invoqué cette fois-là, mais elle a bien joué la dernière. Ah bah elle est là, c'est ah, bon. Ah là, voilà. Oui, je l'ai amenée. Trop bien. Ah, elle a fait la plus de la victoire. Bon, là, il le fait plus, mais... Est-ce que je peux invoquer un autre truc? Non, il y a juste Il y a encore plein de matériaux, là. Ah oui, j'avoue. Je sais pas si on aura le temps. Ah bah. Non, ah bah, pas le temps. Oh, le high five avec Minuit, trop bien. Mais c'est, cette fois-ci, on a gagné parce qu'on avait Minuit. Et Atomé. Elle a une bonne tête, Minuit. Bah ouais, une bonne tête. Bien sûr qu'elle a une bonne tête. Wow, on a le rang S. Ah, on aurait peut-être pu avoir S+, si on avait... Infligé des fléaux élémentaires. Tu es l'ultime menace. Regardez-moi ce beau screenshot final. Bah, moi ça va, hein. C'est... Je vole. On a gagné plein de tickets de défense 2. Ah ouais, moi je suis dans un canon, je donne le dernier coup à Ratian. Ah, et c'était sympa comme dernier. Oh, ça y est, Dango passe au niveau 15. J'ai failli me dire quoi, les Dango passent au niveau 15. Ils avaient un niveau. Mon chat, oui. Bien joué, Lo. Tu as réussi à repousser la calamité sans qu'il y ait de victimes. Ah, bah si, tous les monstres. Fugain l'Ancien. Honnêtement, chapeau bas pour ta défense de la forteresse. Mais ça me surprend pas venant de toi. Mais ce n'est que le début de la calamité. Les monstres vont devenir plus forts et plus nombreux. Personne ne sait vraiment pourquoi les monstres se réunissent en horde et se mettent à attaquer notre village. J'espère qu'on trouvera des réponses avant qu'il ne soit trop tard. Enfin bon, mettons pas la charrue avant le Tetsukabra. Alors Zou, commence par déjà aller chasser. Allez, va accepter une quête 2 étoiles auprès de Minoto et que ça saute. D'accord, d'accord. Alors qu'est-ce qu'elle veut, Minoto? Bravo pour avoir défendu le village contre la calamité. Vos efforts nous ont permis de survivre. J'ai fait tout mon possible pour défendre le village, mais Inoua a fait mieux. Je dois me surpasser. Il te reste encore des quêtes 2 étoiles. C'est tout ce que c'est Yomuga la chef qui a fait mieux. Calamité change à chaque quête entreprise, même les quêtes de base. Les récompenses liées à la calamité varient selon la difficulté indiquée sur le panneau de quête et les monstres rencontrés. Choisissez votre quête selon votre niveau. Ah, mode multijoueur, faire... les quêtes pourront être reprenées, non, varient selon le joueur. Cependant, les joueurs peuvent reprendre des non acceptées par un autre joueur. Et du coup, on peut choisir une autre quête de calamité. D'accord. Ouais, il y en a l'Arzuros ou l'Aratian. Ah, moi j'ai le Grand Poggy ou l'Arzuros. Moi j'ai Bichaten et Grand Izushi. Je vois. D'accord, c'est sympa. Ah, c'est et sympa. Du coup, les bonus sont différents aussi. Je vois, très bien. Bon, et bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis, encouragés et tout. Et puis, on se retrouve pour une autre partie. Mais cette fois, on sera donc sur la chaîne des Chasseurs du Cœur. Du coup. À plus tard. Salut. À plus tard.